Avant KSA, il était à Montaigu. On le sait, nous tous. Je vais dire une chose. C'est bien moi, Moussa Paul Brenner, comme tu m'as souvent bien appelé. Je te dirai une chose. À chaque fois, j'ai essayé à chaque fois de te joindre, de t'approcher, mais je n'ai pas eu des possibilités. Vraiment, je te demande de ne jamais oublier, de ne pas oublier d'où tu viens, de ne jamais oublier d'où tu viens. Je crois qu'on a fait un travail ensemble dans l'enfance. Si aujourd'hui ça a payé les fruits, je crois que je suis aussi parmi ceux qui doivent en bénéficier. Malheureusement, il n'en est pas le cas. Donc, prière de ne jamais oublier d'où tu viens. Je suis là, là où tu m'as laissé, la même maison, la même chambre, le même décor habituel. Je suis là. Il ne faut pas oublier que Paul Brenner, là, il souffre, il est en difficulté, il n'a rien. Et parce que j'ai fait tout ça, j'ai aussi misé sur vous. Je savais qu'à un moment, vous aussi, vous allez me venir en aide. Moi, ça ne me fait pas toujours plaisir. Aujourd'hui, je vois les gens dont les vies ont changé derrière vous. Tous ceux qui vous ont entouré, les vies ont changé. Et moi, je suis toujours là dans la galère. C'est vraiment pas présentable. J'ai même honte souvent de dire aux gens que j'ai été vraiment ton premier entraîneur. Moi, j'ai très honte. J'ai très honte. Ça, à chaque fois que quelqu'un me le rappelle, je suis toujours dans l'obligation de prendre même la fuite. C'est-à-dire que je file à l'anglaise. Parce que ça me met mal à l'aise. De croire que je suis le premier entraîneur d'un personnage comme toi. Et qu'aujourd'hui, moi, je vis dans ces conditions-là. Alors que tous ceux qui t'entourent aujourd'hui, chacun a trouvé son compte. Donc c'est vraiment tout ce que je peux te dire. Thank you.